Vendredi 26 janvier 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la KO entre un excellent week-end avec tous les téléspectateurs télévision nationale d'Haïti. Bonjour Ruben. Bonjour Ricardine, nous avons plaisir pour nous capables ensemble puisque c'est déjà week-end. Bonjour aux amis auditeurs téléspectateurs qui toujours branchés édition nouvelle ça. Bonjour le monde, bonsoir le monde, Kaïb Gade nous kounia là. Yon plaisir pour nous capables ensemble. Déjà, nous souhaitons nous passer un très bon vendredi. Et Kadine, bon vendredi, bon week-end à vous-même. Merci Ruben et très bon vendredi à vous-même également. Quant à téléspectateurs, ma principale point capable pour faire essentiel le journal là pour aujourd'hui, pour une fois qu'on a un président de la République, la Jovenel Moïse, arrivé à Yamanté dans le pays d'Italie, dans le cadre de voyage officiel, ça, chef l'État. A gagné pour discuter avec homologue italien. Il doit rencontrer tout pape François jeudi vendredi à dans Vatican. Toute commission permanente déjà formée dans la République là, il y a une nouvelle commission, il y a une nouvelle commission spéciale qui formait un coup commission bicamérale d'échange avec commission soit amendement et avec règlement Sénat République là. Processus choix pour première session année académique en 2018 là recommencé dans faculté sciences humaines dans université l'État d'Haïti à Jean Conseil coordination faculté SILA te prévoit ça. Processus là déroulé en présence agent corps intervention ak météorologie Simo dans espace faculté. Problème toute qualité système éducatif là a fait face à tenamitan yon discussion hier jeudi 25 janvier à membre commission éducation dans Sénat République là avec ministre éducation nationale et formation professionnelle là ensemble pour savoir quand pile l'autre a gagne pour faire essentiel le journal là jeudi arrêtez de brancher dans tourner dans un petit temps. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans développement information yo. Président de la République, Jovenel Moïse, qui a lié Première Dame République, la Martine Moïse, Président du Sénat, Sénateur Joseph Lambert, Président Chambre député, député Garibaldo, arrivé à Yamanté, dans le pays d'Italie, dans le cadre de voyage officiel, si là, chef l'État a pris pour discuter avec Tokay italien. Président Jovenel Moïse, t'as dû rencontrer tout jeudi, vendredi, à Pape François, dans le Vatican, Sabine Joëtienne, qui a, depuis Italie, a dit nous plus. Président République Jovenel Moïse rivé jeudi 25 janvier dans ville Rome pays Italie pour une visite officielle deux jours chef l'état qui vient avec lui première dame République Martine Moïse ak trois petites li accompagné tout yon vingtaine personnalités parmi yo ministre affaires étrangères Antonio Rodrigue président Sénat République Joseph Lambert président chambre député Garibaldo pendant deux jours visite officielle ça pape François a accordé audience à président Jovenel Moïse dans bibliothèque Saint-Siège là. Et tout de suite après, chef l'État a chita parlé à cardinal, secrétaire d'État Vatican, Pietro Parolin. L'autre rencontre au niveau doit dérouler pendant la journée entre président Jovenel Moïse, Acto Kaili, Sergio Mattarella et puis président conseil ministériel, Paolo Gentiloni Silveri. Ensemble, discussion ça doit centrer sur relations amitié à coopération entre Haïti et gouvernement italien et puis à l'État, cité Vatican, dans divers domaines, tant que éducation, agriculture et santé. Dans la proposition, nous prenons au niveau du palais législatif, là, vice-président Sénat République, Pierre-François Sildor, confirmé toute commission permanente déjà formée dans le cadre de la séance plénière bureau Sénat déjà réalisée. Il y a trois nouvelles commissions spéciales qui forment commission bicamérale d'échange, commission sur amendement et règlement intérieur Sénat. Sénateur Sildor dit nouveau bureau continue pour le travail pour capable rendre Sénat République plus dynamique parce que Jean Teye pendant l'année 2017 là. L'étonnant micro Fidner confident avec Moïse Bridge. Mon conseil ce qui fait mardi pour former commission différentes commissions, les commissions permanentes et les commissions spéciales selon les règlements intérieurs du Sénat de la République. Donc, 13 commissions permanentes là, formées, et dans 3 commissions spéciales qui sont déjà formées. Donc, dernière commission spéciale, qui est la commission de décharge. Et décharge, là, c'est hier, elle est formée seulement. Et les mêmes comptes généraux de décharge, là, c'est les mêmes qui peuvent permettre ou sanctionner gestion d'abord Sénat, en même temps gestion ensemble des ministres et des directeurs généraux qui baillent servir selon la fonction publique.
Donc c'est commission ça, la dernière commission a formé hier après-midi. Il y a une commission spéciale décharge, hein? Il y a une commission spéciale sur réforme règlement intérieur et réforme constitutionnelle. Commission spéciale décharge, dis nous combien de sénateurs ça donne et non sénateurs. D'après l'article 204 règlement intérieur, là, spécial ça, décharge, compte généré décharge, il doit refuter la composition du Sénat de la République. Or, pas grand en pile bloc qui est inscrit dans le Sénat, mais nous connaissons un bloc PHTK allié qui bloque majoritaire. Là. Nous avons appris quitter là, tout le monde, 5 sénateurs, mais nous avons quitté là-dedans. Et le dernier monde qui était en date, c'est le sénateur Jean-Marie Salomon Junior qui quittait appris, bien prêté. Et même s'il n'est pas inscrit officiellement au Sénat, nous connaissons une opposition, un bloc d'opposition. Donc, nous essayons de constituer la commission spéciale ça, au niveau du Sénat de la République, qui va présenter 6 membres et la Chambre des députés 9 pour faire 15 membres de la commission spéciale. Ça. Là-dedans, il y a 4 sénateurs qui représentent la majorité. Hein. Il y a 11 sénateurs qui représentent 100 plans à prix. Et il y a un sénateur Evalier Beauplan qui est opposition. Donc, il y a un sénateur Dieudonne Lima Etienne, il y a un sénateur Ronnie Célestin, il y a un sénateur François Denius, il y a un sénateur Kedler Augustin pour la majorité. Hein. Nous avons évalué au problème pour l'opposition et nous avons Ronald Larèche qui a pris. C'est ça qui a été pour la commission, la partie maintenant concernée, Sénat. Et nous attendons que la Chambre des députés a désigné maintenant 9 députés qui pour former commission bicamérale, ça, commission des comptes généraux et des charges. Nous avons toujours été au niveau parlement ici pour une fois qu'on a une commission éducation Sénat. Je suis allé jeudi 25 janvier avec le ministre de l'Éducation nationale avec la formation professionnelle Pierre Josué Agenor Calais. Le problème, toute qualité système éducatif là fait face à une discussion. Sénateur Niplan Denis Kado, qui est président de la commission, a annoncé une autre rencontre avec le ministre Calais et le ministre financier Patrick Salomon pour 8 février prochain. Dans l'idée pour discuter sous problème ancien, toujours dans le micro Fedner Kofida avec Moïse Oubout, nous avons invité à suivre un bout d'intervention. Ensemble, nous parler, nous discuter sous problème Sugo, problème Brunec, problème lettre de nomination que en pile enseignant dans l'école nationale, dans le lycée Apton. Nous abordons également question qui liée à arriéré de salaire. Nous fixer une séance de travail que nous avons fait ici en Parlement avec ministre éducation nationale là, ministre finance là, premier ministre là. Séance de travail ça nous avons fait jeudi 8 février. Pour nous garder côté problème non posé. Parce que, à chaque intervention ministre, il redit là encore dans la rencontre que nous avons là, presque dette l'été pour enseignants, presque dette ça a fini épongée. Mais il arrive que jusqu'à présent, il y a des enseignants qui ont lettre dans la main, qui peuvent toucher. Ensemble avec lui, nous avons regardé avec le ministre finance, avec le premier ministre, qui a bon problème pour nous capable de résoudre le problème incessamment. Nous regardons avec lui tout sous question en pile l'école qui délabrée. Et nous avons garanti que dans certains départements, il y a un pile marché qui est lancé pour permettre que nous arrivons à reconstruire ou bien construire l'école qui délabre. Nous avons avancé ensemble avec le ministre en tant que président de la commission éducation pour que l'année 2017-2018, problème qui gagne dans le système, particulièrement la question de nomination des enseignants, la question d'arriéré de salaire pour certains enseignants, problème qui gagne dans les FACAPIO, ensemble, nous travaillons pour nous capables de résoudre le problème.
N'a toujours été dans le Parlement haïtien sous Bicentenaire, toujours dans le cadre de rencontre. Le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué Agenon Kader Soubopali, expliquait qu'il est arrivé dans tête ministère Silla, il a déjà régularisé la situation de plusieurs enseignants qui n'ont pas nommé ou sinon qui n'ont pas touché. Ministre Kader dit qu'il reconnaît divers autres enseignants qui travaillent, mais qui ne peuvent pas joindre la nomination. Dans ce sens, il y a des démarches qui déjà a fait pour capable résoudre le problème cela d'après le ministre. Le dernier micro fait de confident avec Moïse Oubich. Question paiement en enseignant psugo, pronek, moun qui a l'être nommé ou pas touché, professeur qui est dans la salle de classe, qui a obtenu l'être nomination. Qui réponse nous portons à vous-même? Nous baillons comme réponse que pour aller 14-15 Pronek Psugo, qui sont dettes publiques, sont bagailles qui sont dans le ministère des Finances, et nous déjà écrit le ministère des Finances pour payer dette ça, qui sont une dette publique, j'aime ce dire là. Pour aller 15-16, plus de 85% enseignants, gardiens, ménagers et autres, sont touchés. Nous disons dans tout le pays, actuellement, c'est seulement plus de 300 qui peuvent toucher dans Pronek Psugo. C'est parce que justement, il y a un problème de contrat qui pose pour vous. Et aujourd'hui, nous avons pour parler avec coup de compte pour nous reconstituer le contrat pour nous avoir touché. Il y a des gens qui ont l'aide de nomination qui devraient toucher longtemps déjà. Depuis le budget rectificatif, là, l'agence a été là pour nous toucher. Malheureusement, il y a plusieurs gens qui ont touché. Et nous disons tout, hier, nous avons passé dans le ministère des Finances. Notamment directeur ressources humaines dans la finance, côté loi que il y a 257 dans yo qui a touché dans moi ça. Mais son question de lenteur administrative, nous dit nous-mêmes tout dans le ministère, dès que le problème est posé, nous rapidement dresser le dossier, nous voyons aller, qu'on peut aller. Question nomination enseignant, eh bien, il y a plusieurs milliers d'enseignants qui trouveront dans la salle de classe sans lettre nomination. Bien que ce n'est pas l'État qui mette dans la salle de classe, mais ils sont là quand même, comme des victimes. Et nous-mêmes, en tant que ministre, enseignant de carrière aussi, nous prenons engagement pour tout nommer. Et pendant que je parle à là, il y a plus de 2000 lettres qui ont déjà signé, voyées, acheminées par l'OMRH, la primature, pour être capable de joindre l'approbation du premier ministre. Donc, qui donc? Nous devons tête nous comme délai. Pour finir ce mois de janvier, ça, pour tout le monde qui est dans la salle de classe, qui peut nommer, mais qui qualifie pour nommer. Et nous avons plus passé un mois depuis le ministère de l'Éducation nationale. Nous mettons campé deux cellules d'urgence dans le niveau ressources humaines qui ont préparé les tuyaux. Et pendant que je parle à là, nous avons plus passé 80% dans les tuyaux déjà fait, les tuyaux déjà signés, pas moi-même, mais l'homme fin signé. Étant donné que faut que nous ayons l'approbation au premier ministre, nous devons voir l'étio dans la primature pour approbation. Gain en équipe lettre, photocopie, dans le nord, avec dans la Tibonite, nous te baille direction de départementale là pour te juste montrer enseignant yo que processus ça en branle, l'avancer, pas gain bluff, son réalité liée, mais nous dit tout. Une fois que nous finir résoudre problème ça, nommer tout le monde qui va gagner l'étio dans la salle de classe qui qualifie à pour ça pas reproduire encore dans l'état pour nous ne pas gagner droit rentrer dans la salle de classe toutes les fois que ou pas gagner l'état ba ou parce que autorité nominative là l'état n'importe monde pas rentrer dans la salle de classe Jean le Bibito sans l'état ba dire à la donne. Processus choix cours pour première session année académique 2018 là commencé dans faculté sciences humaines Jean conseil coordination faculté a te prévoit si là processus ça te déroulé en présence agent Simone espace faculté a une équipe télévision nationale d'Haïti te fait déplacement on avait vite suivi un compte rendu avec Rudeline Welak Jordani Bozile. À côté quelques agents sécurité université l'État, yon camion agent Simo te présent dans la cour faculté sciences humaines pendant étudiant yo a fait choix cour. Même si présence la police dans espace là correspond à résolution 27 décembre 2017 conseil université a te prend concernant intervention la police dans faculté qui en crise yo, ça pas empêché membre communauté fache là divisé sous présence agent Simo yo. Si j'étais chef
aujourd'hui encore à la faculté, eh bien bon, ici à Tabien ou Kazène. Kazène d'appeler là. Parce que le pas normal pour quelques individus fait tout en disons une population d'étudiants, ok, ça qui a été fait mémoire, ça qui a été fait maîtrise, ça qui a été fini doctorat, mais ils sont obligés de rester, ils ne pas suivre, ils ne pas venir l'école. Pour ne pas avoir une présence policière dans la faculté. Parce que nous sommes des batailles, la faculté a fait déjà, acquis démocratique, nous ne pas piler, acquis démocratique, nous ne pas galvauder. Quand je fais le choix pour moi, là, j'ai policier, c'est ça, bonne inquiétude, moi aussi. Parce que par rapport avec un acte de violence qui qu'on a posé dans l'espace à nos périodes, étudiants menacés, étudiants dit à petit haut, négat vini, donc étudiants pour opposition, négat tirer coup sur étudiants, vini à l'autre monde dehors, vini pour agresser étudiants, bon, c'est que, ça veut dire, nous arrivons dans l'espace, côté que même professeur t'as sorti notre, dit au pas senti en sécurité, côté étudiant vini à bouteille, tirer, faire professeur courir, étudiant a pris téléphone, dans mes professeurs tirer pour frapper à tête, dit professeur, ça veut dire, nous arrivons dans un stade, côté que, et il était une limite qui était arrivée, nous avons franchi que. Et qui méritait des réponses. Inviolabilité espace université, c'est une preuve fondamentale discussion étudiant concernant la présence de la police dans l'espace là. Jean Ederson Jean-Pierre, représentant étudiant fachio dans le conseil université, a argumenté. En ce qui a trait à l'inviolabilité de l'espace universitaire, là, m'a invité tout le monde à lire l'article 34 constitution qui c'est maman loi PIA, il dit clairement sous demande, en fait, un accord avec les responsables dans l'université, la police est capable d'intervenir. Donc, dans le cas de ça, les demandes et dirigeants dans l'université, la police est intervenue. Ou pas qu'à dire, espace la violé. Et présence agent aujourd'hui, c'est résultat d'une résolution au conseil université de Pran, qui est la plus haute instance de l'UEH, depuis la date 27 décembre 2017, qui demandait présence policière dans la faculté d'ethnologie et faculté des sciences humaines. Toute démarche télévision nationale, bon côté dirigeant fachio, pour jeune information, sous présence de la police dans l'espace là, pas de bas résultat. Yon équipe télévision nationale d'Haïti parlé hier jeudi 25 janvier 2018 là, avec plusieurs élèves dans le lycée Anténor Fimé, à collège Vision Caraïbéenne sous date 28 janvier, qui s'est fait à Saint Thomas d'Aquin, patron philosophio. D'après Elevio Joussa, c'est une occasion pour intellectuels réfléchir sur ensemble problème pays d'Haïti a fait face. Woodley Noëlla avec RVPR a dit non plus. Dans l'idée pour marquer date 28 janvier qui vient là, qui s'est fait philosophe, série discussion, conférence, débat toute qualité déjà commencé dans plusieurs écoles dans pays a, dans mi-temps élèves classe terminale yo. Constat yo, pas département dans lycée Anténor Fimé à collège Vision Caraïbéenne. La philosophie nous dit que c'est une réflexion critique et une réflexion critique sur des problèmes fondamentaux. Nous avons dit, alors qui donc est un philosophe et n'apprend philosophe, les philosophes de l'Antiquité, un philosophe supposé guion idée sur toute bagaille net. C'est ça la philosophie. C'est un pile bagaille que fait ça y est pour nous. Et c'est une façon tout pour mettre nous-mêmes qui arrivons dans la classe terminale en valeur. C'est un grand fait, c'est un grand jour que lié pour nous. Dans l'occasion, élèves ont souhaité l'État haïtien prendre bon genre disposition pour permettre candidats qui réussissent dans l'examen baccalauréat rentrer dans la faculté. Élèves souhaitent tout autorité concernée créer emploi dans la population pour empêcher petit pays à partir à chercher la vie l'autre bord de l'eau. La meilleure chose à faire, c'est mettre disposition, c'est ouvrir des portes université pour tout le monde. Depuis qu'on finit l'école, pour être toujours à nos côtés pour apprendre des bagages. Si l'État haïtien t'as créé emploi dans le pays, hein? T'as créé comme si des mesures pour jeunes qui ont fini l'école, ce n'est pas dans l'autre pays pour aller. Si vous arrêtez dans le pays, pour travailler, aller dans l'université, pour aider le pays, pour utiliser le pays pour avancer, je pense que le pays nous a développé, nous avons l'autre Haïti, on l'autre Haïti demain et nous croyons dans le changement et nous croyons que tout le bagage va aller mieux pour nous. Bon côté Payo, élève classe terminale dans le collège Vision Caraïbéenne a organisé une activité dimanche 28 janvier, une manière pour clôturer la série de discussions. Il y a un séminaire formation pendant une semaine a déroulé dans l'intention médecin infirmière pédiatre et l'autre professionnel dans la santé. Séminaire ça a rentré dans le cadre de formation continue faculté médecine et pharmacie gagné pour aider personnel de santé. Hier mercredi 24 janvier, formation est plus centrée sur affaire dialyse. Côté responsable, tu es estimé que tu dois gagner un personnel qui est capable de répondre à quelques demandes.
mode monde qui malade dans rayon. Reportage Marie Joly avec Laura Dali Jean-Jacques. Docteur Odi Meteyen, qui est responsable de dialyse dans l'hôpital général, a expliqué qu'il prend l'initiative d'organiser la formation. Ça, c'est à cause qu'il a remarqué qu'il y a plus de monde qui a fait dialyse dans l'hôpital. L'initiative ça pour aider l'hôpital à la population plus de services. C'est une première activité de ce genre réalisée dans le pays, hein, parce que nous constatons qu'il y a un intérêt de plus en plus qui a développé pour la prise en charge des maladies rénales. Et puisque actuellement et dans le monde, la Société internationale de néphrologie l'a prôné que d'ici 2025, pour que pas gagner monde encore cap mourir de insuffisance rénale aiguë, nous voulons emboîter le pas. Et puisque pays nous en avons plus le problème de formation dans certains domaines, dans le domaine ça, eh bien nous organiser un cours de formation justement avec les pédiatres, les internistes, les résidents en médecine interne, enfin, tout le monde qui a formé pour devenir interniste, et les résidents en pédiatrie. En plus, les infirmières, car la dialyse, c'est un engagement infirmier aussi à plus de 70%. Et nous espérons que la formation ça, a permis que le pays ait une équipe pour nous sensibiliser et comprendre aussi que y a des compétences qui ont préparé pour permettre à décideurs de prendre décision pour faire et prendre en charge les gens qui ont des problèmes rénaux que les gens qui prennent. Docteur Judith Exantus a fait qu'on ait problème rien attaqué grand monde en petit monde. Une situation qui méritait plus encadrement bon côté autorité responsable. Quitte petit monde, quitte grand monde, nous voulons un professionnel qui est compétent, qui est bien formé, qui est capable de diagnostiquer petit monde et en même temps prendre en charge. Donc petit monde contre grand monde, il n'y a aucun problème rien. Donc, je profite de ce message pour nous dire, ministère, à toute question de payer, nous avons besoin de backup dans la main. Parce que les gens sont trop souvent négligés, parce que leur petit monde a un problème de dialyse, il a besoin rapidement pour nous sauver la ville. En général, les parents tout comprennent que les gens ont besoin de mourir. Donc, il y a le temps pour les gens ne pas mourir parce que besoin de dialyser en aigu. Et après ça, en chronique, il faut que nous soyons capables de faire parce que tout le monde a un droit à la vie. Si nous parlons de hémodialyse, même avec un grand monde, au moins trois fois par semaine, mais il y a un problème aigu que le gagne, même si c'est en chronique, et puis qu'on a la vie, il y a trop de tension, trop haut, il prend trop de l'eau, donc il est enflé en pile. Le ça, trois fois par semaine, il y a quatre fois, cinq fois par semaine, il y a dialysé même chaque jour. Docteur Odi Meteyen, mandé ministère de Santé publique à la population plus moyen pour former personnel santé qui n'a domaine ni un. Groupe 6 communes qui fait créer, dit au constaté jusqu'à présent, Liancou, Baptiste, Montrue, Mafran, Fondeble et La Pointe, toujours a fonctionné comme une section communale malgré qu'ils ont arrêté qui sorti, qui mettait au niveau commune. Jean-Guy Berchal et apôtre Élisée Blaise, qui tapent attirer attention autorité concernée sur question ça, souhaitaient application arrêter cela. À nous suivre, il y a un extrait. Nous avons 6 communes qui ont 2 ans depuis exister. Mais les communes existent seulement sous papier. Elles ne sont pas administrées. Donc la présence de l'État là-dedans n'a pas existé. Et les communes ça fonctionné jusqu'à présent dans la section communale. Et dans 2 ans, tu as supposé gagner élection. Donc nous avons demandé à l'État pour permettre que les communes soient capables d'avoir une structure qui vous mette base pour aller dans l'élection même à toutes les communes. Parce que pas une petite commune, pas une grosse commune. Toute commune, c'est commune. Et Jérémy, c'est ancienne commune qui a contrôlé Mafran. Jusqu'à présent, taxe Mafran, pas Capral, Jérémy toujours. Akaye, c'était commune qui a contrôlé Montoui. Jusqu'à présent, taxe Montoui, pas Capral, Akaye toujours. Donc, c'est on perd pour toute commune, ça y est. Commune, ça, depuis le créé, seulement créé sous papier, par un décret, et que nous, le 5 août 2015, jusqu'à présent, commune, ça, pas une pièce structure. Par une pièce instance dans la tête qui a dirigé. Et ça fait aujourd'hui, il y a un pile de problèmes qui sont dans la zone. Si les gens qui sont dans la zone sont des responsables, je dis qu'il y a un pile de par rapport à la communauté sous contrôle. Je dis que la communauté sous contrôle veut impliquer dans la zone, ça, entrer dans la zone. Les gens ne pas accepté. Et handicap, bon exemple concret, 4 fêtes là pour renouveler 6 nouvelles communes, ça n'a pas un bureau ni la caillou. Et les gens disent qu'ils font 4 ans de l'autre côté. Par exemple, nous avons tous les problèmes qui ont nous avons des problèmes à Akaye, mais politiquement, nous avons fait 4 à Akaye. Donc, c'est clair sur ça.
L'autre information dans le journal, l'assistance légale Défenseur Plus, la Maxo Jean-Louis, qui était rencontré avec la presse hier jeudi 25 janvier, m'a dit autorité pour porter amélioration dans le système judiciaire. L'organisation promet pour capable continuer à accompagner l'autorité pour travailler une façon pour capable diminuer le phénomène de détention préventive prolongée. C'est avec dernière information ça tout que je n'ai la cabab pour aujourd'hui, mais juste avant nous aller quitter nos rappels principal pour quitter fait essentiel les dernières sorties du journal pour semaine si là. Président République la Jovenel Moïse arrivé hier matin dans pays Italie dans cadre voyage officiel là chef l'État gain pour discuter avec homologue italien li il doit rencontrer tout avec pape François jeudi vendredi à dans Vatican. Toute commission permanente déjà formée au niveau Sénat République là, il y a une nouvelle commission spéciale qui met sous pied ta commission bicamérale d'échange là avec commission sur amendement règlement intérieur Sénat République là. Processus choix court pour première session académique 2018 là recommencer dans faculté sciences humaines. Jean conseil coordination faculté cela te prévoit ça. Un processus qui déroulé en présence agent corps intervention ak mete l'ordre 6 mois dans espace faculté cela. Problème en toute qualité système éducatif là a fait face à tenamite en discussion yo jeudi 25 janvier 2018 là ak membre commission éducation dans Sénat République là ak ministre éducation nationale ak formation professionnelle. Voilà, c'est un point ça qui te fait essentiel le journal là pour jeudi. On a remercié Ruben, on a cassé rendez-vous dans la prochaine sortie téléjournal là. Et d'ici là, on a souhaité passer un excellent week-end. C'était vraiment un plaisir, Kadine. Bon week-end à vous-même. Bon week-end à vous-même. Téléspectateurs qui t'ont suivi, nous passer un très bon vendredi. C'était le journal d'Haïti. Et Kadine, rendez-vous, c'est lundi matin. Bien sûr, Ruben. Et quant à vous-même, téléspectateurs, on a souhaité passer une excellente journée de vendredi, mais surtout un très bon week-end. Et restez branchés à la télévision nationale d'Haïti puisque l'information continue sur notre antenne. Thank you.